Moi, j'ai toujours dit que l'un de mes grands rêves et l'une de mes grandes limites, c'est que quoi qu'il arrive, mes enfants grandiront en Afrique. Ils ne grandiront pas en étant une minorité. Parce que pour moi, c'est le gros gain que j'ai eu de grandir à Bamako, au-delà de millions de choses. Donc on a essayé de venir, et comme tu dis, en tant que Malien... C'est intéressant, ça développe un peu. Pourquoi tu ne veux pas qu'ils grandissent en étant une minorité? Je pense que le racisme est vécu complètement différemment à différents âges. En tant qu'être humain, en tant qu'adulte, quand tu es construit, tu as beaucoup plus de force et de confiance en toi pour y répondre, ou en tout cas pour le naviguer. Mais quand tu le prends trop jeune, et quand tu es une minorité, c'est factuel.